Coucou tout le monde, c'est Immortal71Kame de oldschoolgameyonevers.blogspot.fr et on se retrouve avec DarkDems24 et Equestemplary24. Bonjour les Yo! gars. Salut! Hey DarkDems, on t'a pas entendu je crois. Si, j'ai dit yo! Ah yo! D'accord, je suis en train de manger comme mon habitude d'ailleurs. Mais c'est très bien ça, il faut manger, il faut boire tout en jouant, à condition de ne pas renverser sur la console. Oh, ça me rappelle les souvenirs ça. L'époque de WoW. Oh, putain, arrête, tu mangeais, hein. Tu buvais, tu dormais, tu chiais, tu pissais devant le jeu. Que du bonheur. Ouais, ouais. Ça vaut pas, moi quand j'étais petit, un Pepsi renversé sur ma Super NES. Hein. Mais le bon, jeu ça... où t'avais une vie sociale et tu pouvais lui dire adieu. Vie sociale ou pas, c'est encore le cas pour certains aujourd'hui, avec le PC et les consoles. Ouais, mais bon. Alors, trêve de blabla. Allez, c'est parti, je lance. Voilà, je lance le truc. Dépêche-toi, je vais bouffer de la cervelle, moi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah voilà, donc on se retrouve de nouveau sur Zombie Army Trilogy. On est toujours sur l'épisode 1. Quatrième chapitre, Bibliothèque du Mal. On continue notre petit let's play entre potes. Et bien sûr, délire et cochonnerie garantie. Cochonnerie, je sais pas, mais délire, oui. Mais si. Ah, ben quoi hein. Mais si, il faut. Ouais, ouais. Je sais pas, moi je sais pas, je préfère ma grande saucisse. Ah mais je sais qu'il est drôle, mais c'est pas la peine de t'étouffer, Marco. Je pense pas qu'il s'étouffe pour ça, tu vois. Je sais. Non. Oui, je pense que tu faisais allusion plutôt à Metal Gear Solid que ta grosse, n'est-ce pas? Voilà. Oui, bah MGS, ma grosse saucisse. Ah là là. Bah oui hein, mais enfin quoi que je sais pas, mais plus les Metal Gear avancent, plus j'ai l'impression que les Metal Gear ressemblent un peu à tout et n'importe quoi en fait. Ben oui, bon, même si c'est pas le sujet de la vidéo, j'avoue que t'as pas tout à fait tort. Bon, le dernier il est pas mal, mais je trouve que l'open world, je trouve que ça fait un peu défaut. Ça fait un peu défaut au Metal Gear. Je trouve que c'est bien, mais tout dépend de l'histoire qui est associée. Bah l'histoire, elle a pas l'air d'être mal, hein, mais... On n'est pas là pour ça, on est là pour tuer les zombies. Tout à fait. Tout à fait. Jean-Michel, bon alors, qu'est-ce que vous foutez Attends voir, je suis en train de faire un petit retour en arrière là, j'ai pas fait un couloir. Peut-être un truc à récupérer, je sais pas. Non, même pas, non. Non, c'est même pas la peine. Le coup de tu avances et tu recules quoi. Là, y a comment veux-tu que je te. Que je. Hein? Non? Que je te module, non? Oui. C'est la blague de merde ça. Ouais, sauf que t'as pas dit le vrai mot, je crois. Tu crois vraiment que je vais dire le vrai mot? Oh bah avec ce que t'avais dit sur Killing Floor 2. Bah oui, non mais bon ça, entre les vomis et... Ah mais non, mais zut Quoi donc? J'ai le droit de mettre un coup de tatin de jouer au foot moi. Bah t'es pas là pour jouer au foot. Bah si. Tiens, voilà, moi aussi je joue au foot. Oh. Pardon. Mais arrête de te relever toi. Pas possible ça. Ah ouais, ça c'est vrai. Putain, je reconnais, c'est vraiment un décor là. Ah, c'est un décor vraiment. Je reconnaîtrais même ce décor de Sniper 2 là. Ah moi je sais pas. Je sais pas, moi tout, du moment que tu me donnes un filet à buter des zombies, moi je suis content. Tu m'étonnes. Bon bah j'ai toujours pas Quoique ces derniers temps, il y en a un petit peu plus, ok.
Ouais, tu vois, j'ai même pas choisi le perso, ils m'ont donné Karl par défaut. Oh, c'est pas plus mal. Pas plus mal. Karl, c'est qui ce mec déjà? Karl, je sais plus comment là, c'est le perso principal des Sniper Elite. Oh, d'accord. Il fait la guerre contre les cheveux et il revient parce qu'il y a les zombies. Et, putain, il doit vraiment se faire chier dans la vie. Ah bah il a faim, hein, ça c'est sûr. Ouais, enfin, je sais pas, s'il a vraiment faim. Mais... Ah, la potoux. Dommage qu'il ait pas pété son pote. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, putain. Mais... Ah ouais, tiens donc. Ah ouais. Et bien sûr, on n'a pas de prêcheur, bien entendu, parce que bon... Moi, je vous le dis, hein. Un bon prêcheur pour éliminer les MG42, enfin les soldats d'élite. Pas la peine, avec un sniper, ça passe. Ouais, ça passe, ouais, ça passe, ouais. Là où il faudrait un prêcheur, à la rigueur, c'est pour ceux avec la tronçonneuse. Avec la tronçonneuse, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, il faudrait un prêcheur à l'arrière, parce que même le Panzer Post, il est même pas efficace. Oui, ça, c'est un peu... Ouais, ouais, c'est... C'est complètement déconnant, quoi. Le Panzer Post, il en est réduit à la dépopulation. Par contre, pour éclater un super élite, putain, aussi efficace qu'un super élite dans derrière. Le pro... Marco, le prochain coup que tu vois un soldat d'élite comme ça, tu fonces sur lui pour le fouiller. Ça va te débloquer un défi. Ah, un trophée quoi, je veux dire, de la console. Oui, bon, tout ça, c'est pas vraiment... En même temps, ça sert à rien en même temps. Hein. C'est ça qui est dommage, parce que finalement, oui, voilà, tout ce qui est succès et trophée des consoles, c'est, ça nous apporte rien en fait pour un jeu quoi. Je vois notamment sur Facebook. Enfin, pour moi en tout cas. Un gars, il fait tous les succès de tous les jeux qu'il aime, quoi. Tous les succès, tous les trophées. Un vrai ravagé, le mec. Bah, après. Ravagé, non, parce que là c'est, tu vois que c'est un grand fan, quoi. Après, je... Après, je suis quand même d'accord. Je suis quand même d'accord de... Enfin, sur un ou deux jeux, je veux dire que t'aimes vraiment bien. T'as vraiment un gros coup de cœur. Tu te dis, bon, allez, quelques heures de plus pour avoir les trophées. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je le ferai pas sur tous les jeux quoi, je trouve que c'est pas intéressant, enfin moi, pour moi ça m'intéresse pas en tout cas. Ah oui, non, mais là, après chacun fait comme il veut, mais il y a des gars, toi tu te dis ouais je fais ça, c'est super, quand bah, tu attends. Vois ce que d'autres font, t'es là. Bah il y en a d'ailleurs qui font que ça en fait, au niveau, il y en a qui prennent des jeux que pour les trophées et tout ça. Et ah je trouve oui, ça un peu dommage finalement, parce qu'ils en oublient le jeu quoi, c'est, ça en devient maladif. Bah ouais, mais bon après, chacun est différent, chacun fait comme il veut. Zombie, oh. Tu l'as. Hein, Marco? Si t'es là, gueule à mon cou. Putain, mais tu vas arrêter de descendre, colo. Yeah. Et tu l'as fait comme une mandaline. Qui se casse la gueule? Ah ouais. Hmm? Non, il y avait des skulls. Il me semble que c'était là, je crois qu'on avait attends, je sais plus. Bah non, si ça y est, je me souviens de ce niveau-là. On doit faire des allers-retours, il me semble, pour débloquer... De quoi? T'as dit quoi? Non, je sais pas, je lisais ce qu'il y avait sur le bâtiment, là, en face de nous. Je lisais ce qu'il y avait sur le bâtiment. Et qu'est-ce qu'il y avait d'écrit?
Il y avait écrit Federicus, Apollonie et Musis ou un truc comme ça. D'accord. Faites sauter les têtes. Hein. Ça me rappelle un film qui s'appelait comme ça, un vieux film des années 90, 2000 par là. Bibliothèque du Mal ? Non, Mal. Ah, le Mal ? Non, Mal, mutant aquatique en liberté. Je connais pas. C'était bien ? C'était un film d'horreur qui était assez bien, enfin disons pour l'époque. Ah, oh putain, oui. Il y a de bons souvenirs aussi, n'est-ce pas ? Oh là, oui. Ah oui. Ah oui. Ouais, si c'est... Je m'en souviens maintenant. Déjà, du Skull, va y en avoir une flopée, déjà. Ça va péter. Suffit que je dise ça pour qu'un connard se ravine et me pète à la gueule. Ça va, Pouki. Oula. Ah, pas à dire ils sont chiants eux, hein, surtout qu'on va en avoir plein encore. C'est que le début là. Tu m'étonnes. Ah ouais, c'est que le début, je me souviens qu'on a eu plusieurs hordes. Oh là là. Non, mais mon traumatisme dans le jeu, ça reste la guerre dans le chapitre 3 quoi. Repousser le siège. Ouais, t'es au courant qu'on n'a plus de munitions, on n'a plus rien. Ah oui. Ah, c'est vrai que c'était quand même un petit peu chaud. Ah ouais, non, mais c'était carrément chaud, quoi. Bon, on a réussi en même temps, mais au bout de la cinquième tentative, je crois. C'est ça. Oui, je pense, ouais. Ils ont de belles affiches. Ah, mais il va falloir aller chercher les symboles un peu partout. 4 symboles dans 2 baraques. Oh Hitler. Oui les amis, là on fait référence en fait à Anakin's Gun, hein, qui n'a absolument rien à voir. Quoique. Non, mais bon, je sais pas, ça me fait marrer. Mais je dis quoique, parce que ça se passait quand même à peu près à la même époque. Hein. Mais Anakin's Gun, un jeu d'infiltration inspiré de Hitman, moins bon quand même, mais bon. Bah, quoique inspiré de Hitman, je sais pas, il est sorti avant Hitman ou après Hitman? Ah, si je dis pas trop de conneries, je crois que le premier Hitman avait dû sortir avant le premier Death to Spies, mais je peux me tromper. Non, je crois qu'il est sorti avant, ouais. Hitman est sorti avant. Ouais, mais je te parle du premier Hitman par rapport au premier Death to Spies. Ouais, parce que Anakin's Gun, ouais, c'est... Pour ceux qui le savent pas, ça fait partie de la série des Death to Spies. Il aurait dû s'appeler d'ailleurs Death to Spies 3, mais bon. Ouais, il y a le 1, le 2, et puis après ils l'ont baptisé Anakin's Gun. Anakin's Gun. Ouais, ah, c'est par là qu'il faut aller ou pas? Ah si. Tu m'as compris, c'est déjà le principal. Ouais, je sais pas, c'est là qu'il faut aller ou pas? Il me semble, non? Non. Là, ils ont rien trouvé de mieux que de nous envoyer leur merde sur la gueule. Il y a une grenade, là, pour ceux qu'on n'ont plus, là. Non, mais moi, j'en ai 4. J'en ai pas utilisé, là, pour l'instant, de grenade. Pareil. My Fräulein. Un Fräulein. Ich bin Fräulein. Ich bin de grosse. Bah, il détritus. Il détritus.
Youpi! Voilà. Alors, comme la dernière fois, hein, y en a un qui va à gauche, l'autre qui va à droite. Hein. Et on se réunit quand on a tout le bordel. Ouais. Bon, moi je vais tout en haut. Hein. Ça marche. Je vais tout en haut. Ouh, mon petit pote. Non, non, du calme. Du calme. J'en ai un. Mais pourquoi vous me suivez? Oh là là. Bah parce que pour pas te laisser tout seul, tu vas t'ennuyer. Genre. Bah oui, genre, évidemment. Ah, bah je t'ai raté ou quoi? Fais quoi lui ce con là? Ah mais vous avez faim. Je suis pas un pot de Nutella les gars. Ah. Je croyais qu'il y avait un truc là, mais en fait non, il y a rien. Vous l'avez trouvé? Non, on l'a pas, trouvé. Je croyais que c'était là, mais. Ah! Eh ben, tiens donc. Quel fumier celui-là? Notre copain. Lequel? MG42. Oh. Ah moi y a rien à faire, je l'appelle comme ça, c'est vrai que c'est pas son nom mais. Bah c'est un élite. C'est un élite, ouais, voilà. Oh, le petit. Petit surnom. Ouais, MG42, ça lui va aussi. Ouais, ça va, ouais. Alors Marco, on t'entend plus. D'accord. Marco, mort au champ d'honneur. Ouais, alors attends, moi je recule parce que... Ah, oh, puis en plus, il faut que j'appuie sur ma télécommande de télé, là, je vois plus rien. Ah oh, bah bravo. Bon, c'est bon, le MG42, il est mort. Ouais, tiens. Marco aussi. Ah, je sais, mais... Ah, c'est pas possible, c'est télé de maintenant, là. Voilà. Ça aurait été ballot que mon écran s'éteigne, quand même. Ah oh, là là. Bon. Fais chier quoi, cette télé là, tu vas pas les laisser 2-3 heures allumées et ça y est, t'as un message, hop, ça s'éteint en tant de secondes. Bon, bref. Oui, ça fait ça aussi sur la télé de mes parents. Au bout d'un certain moment, votre télé va s'éteindre en 5 secondes. Ouais, bah au début, je me demandais si c'était un truc paramétrable et tout, et puis j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit non, je sais pas, mais. Et puis on m'a dit, ça fait ça sur toutes tes télés de maintenant. Je dis, ah bon, bah c'est pratique. Alors quand t'as oublié de déteindre que tu t'en vas, oui c'est pratique. Mais quand t'es en train de jouer ou regarde un film, ça ne l'est pas. Bon alors putain de symbole, il est où là? Alors... Ah bon, ça y est, j'en ai récupéré deux. Deux? Ah bah de symboles. Ah oui. J'en ai récupéré deux et là maintenant on va de l'autre côté. Non, on va dans un autre bâtiment, je crois. Pour aller chercher les deux autres. Alors, même pas, on est à l'entrée. Survivre à l'assaut. Ah bah tiens. Oula. Eh oui, ça va rappeler des souvenirs. Très bons souvenirs. Y a pas de MG. Peut-être pas au début, non. Ça risque.
Ah, parce que là, j'aimerais bien avoir ma grosse 42. Tu peux pas la récupérer. Tu peux débloquer un trophée en... Merde. Putain, tu m'as fait foirer mon combo. Désolé. Tiens, voilà Proutouch. Bon, déjà j'ai arrêté le deuxième, c'est déjà ça. Ouais, bah, ça fait mal quand même. M'arrêter de bouger, bande de trou du cul. Ah, t'as vu, c'est chiant, hein. Oh, on peut pas avancer dans le brouillard, c'est chiant aussi, ça. Mais tu te crois où, toi? Ah, non. Jean Paulino. Eh ben, voilà. L'autre, il m'avait... Voilà. Donc, forcément... Font chier aussi, ces kamikazes de merde. Mais fous le camp, toi. Non mais... Faut bien un peu de challenge. Il arrive, et devant moi, t'as fait te prendre une balle. Heureusement que j'ai... Heureusement que j'ai désactivé le tir à aller. Hein. T'imagines un peu le bordel. Je... Ah non mais merde, putain. Oh là là. Bonjour mesdames. Bah, dis donc, tu te crois où toi? Ça t'apprendra. Livraison de bastos. Le bruit qu'il fait, lui. Munition max, vous foutez de ma gueule, bande de radas, ça va. C'est vrai que moi je trouve que c'est un petit défaut du jeu, parce que munition max, on est d'accord, mais ils disent pas pour quelle arme. Donc au début, quand tu connais pas le jeu, tu te dis, ah bah c'est cool, j'ai les munitions pour tout, pour toutes tes armes. Ah bah tiens, tu parles. Tiens, par contre, tu peux venir dans ce bunker là. T'as des munitions là. Si tu veux. T'as pour le... Bah t'as pour tout, je crois. À peu près. Oh, oh maman, oh. ça fait du bien, hein, de reprendre des balles. Ah, une grenade pour 5. Bah c'est bien, tu commences à nettoyer. Bah écoute. Ah, goûte. J'aime bien, moi. Tu fais bien l'allemand, moi. C'est pas mal. Ça continue comme ça met de l'ambiance. Bah, je trouve pas que je ferai l'allemand. Putain, merde. Bah, attends, j'arrive, je tombe dans un couloir et comme par hasard, il y avait deux cons. Enfin, il y avait une chier de connards. Dégage de l'escalier. Oh, dis donc, ça suffit de taper le copain, ouais. Tiens, un truc à récupérer, là. Voilà, ça y est. Merde. Mission Max, vous foutez de ma gueule. Eh, ça y est, il y a encore les enfants comme dans Freddy, là, qui se mettent à chanter. Ah, oui. La 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 la. Oh, ça doit être la jeunesse hitlérienne. La jeunesse, c'est rien. Oh putain, non, pas lui. Oh. Ah, ça fait mal au derche, hein, quand même, hein. Frontline. Alors lui, ah, j'ai le trophée obtenu, je t'ai eu enfoiré. Ah, joli.
Je l'ai pas, je crois, celui-là. C'est en fait, t'as sans le faire exprès, t'as tiré dans sa grenade, en fait. Voilà, aux zombies explosifs, ouais, t'as tiré dans sa grenade. Voilà, il y a que comme ça que tu peux avoir ce trophée. C'est ça. Bah, vous avez vérifié tout l'étage, là hein. Non, justement, on y allait. Il y a eu les kamikazes pour me... Non, ça y est, je l'ai pris, Tony. J'ai pris celui-là. Bon, bah, ça fait qu'il en manque un, alors. Bah, je crois que c'est pas à l'étage en dessous. Je me rappelle plus maintenant, si. Tu vois. Bah, voilà. Si, c'est à chaque fois pareil. C'est un en haut, un en bas. Un, deux, on te comprend, deux. Un, quatre. C'est bizarre, il me semblait qu'il y avait une MG, là, non? Non. Ah, attends, t'es sûr que t'avais une MG portative? Oh, peut-être. Non, mais non, pas une MG portative. Je parle pas de MG, mais... Ouais, une élite, si tu préfères. Tellement l'habitude... Ah, non, mais attends. Non, mais attends, le soldat d'élite, hein. Bah, on l'a buté. On l'a eu avec Marco. Il était de notre côté. Non, il n'aurait pas connu. Si t'as pas eu de soldat d'élite, c'est normal, c'est nous qui l'avons eu. Voilà. D'accord. Comme ça, au moins, c'est préchiché. C'est préchigé. On a préchigé. Je préchigé, hein. Bon, arrêtez de me suivre, là. On dirait que vous êtes perdus, là. Ben non, c'est parce qu'on t'aime bien, on te suit, c'est tout. Et puis, voilà. Oui, et puis, tu me dois toujours 30 litres de bière, donc je te suis. J'ai qu'un truc à te dire. Non, non, va voir ça, vomit tout. Oh, le fumier. Ah oui, la réponse positive. Ah, tiens, fumier, va. Foiré, va. L'opette. Bon alors, t'es où, Pisonous? Oh bah écoute, c'est quoi, on t'est cherché, hein. C'est pas plutôt dans l'autre... D'accord. C'est les dernières vagues qui vont être un peu plus costauds. Dis donc, petit connard. Bon. Ouais, ça va. Et tu te crois où, le... Ah ouais, t'es comme ça, toi. Tout en politesse. Exactement. Mais, vous êtes passé où, là? On est dehors. Attends, on t'attend. Attends, Casimir. Marco, il parle pas beaucoup, mais pour sortir une vanne. Ah oui, faut. Mais attends, je comprends pas là. Mais non, mais il est tout en bas, pourquoi tu montes? Ah si, il faut passer par là-haut. Eh oui. Bah, le truc en fait, le schéma dans ce bâtiment, c'est que tu rentres dans un bâtiment, mais ça jouxte l'autre côté du bâtiment en fait. Donc, au bout d'un moment, tu passes ton temps à tourner si tu sais pas essayer de chercher et compagnie machin. Donc, résultat, ça peut durer des plombes. Hein. Ben enfin, quand même. Ah, mais non, fumier, tiens, toi aussi, t'as qu'à te le prendre celui-là. Non, mais où? Eh, tiens. Voilà. Non, mais c'est juste que je croyais qu'on allait terminer tout de suite. Je croyais qu'on était déjà vers la vague suivante, mais en fait, non. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai eu le temps de faire une bonne choucroute garnie. Ouais, c'est ça, ouais. T'oublies pas de me remplir un verre de pastis? Ouais, mais étant donné que je bois pas de vin ni de pastis, tu le feras sans moi, alors. Ah bah, c'est sûr. En plus, moi, j'aime pas ça, le pastis. Ah bah, ouais. Voilà. Mais bon, tu peux toujours me servir une bière dans un petit verre à ballon. Ah, je peux te sortir la chanson, si tu veux. Oh bah, tiens, allez.
Ouais, non, mais là, je peux pas sur PS4, non. Mon PC marcherait, je te le mettrai, mais là, non. Ah non, mais tu peux le chanter toi-même. Tu connais les paroles. Je connais les paroles, mais j'ai pas envie de chanter. Mais c'est que t'as envie. T'as une très belle voix. D'accord. Et ça fout de ma gueule en vie, ça. Allez, ma douce, vas-y, chante. Tu sais ce qu'elle dit, ma douce. Tiens. Attention derrière toi, derrière parce toi. Que tu fais ton malin, mais... Mais tout va bien. Tu vois, tout va bien, je suis... Bah évidemment, je tire dans le temps, tout va bien. Hein. Ben oui, tout va bien. Ah tiens, pour info, il y a une MG42 qui arrive. Pas mal ça. En Marco, tu vas te pointer pas loin. Et puis, dès qu'il est à terre, tu cours sur lui et puis tu le fouilles comme un autre cadavre. Mais tu te dépêches aussi. Hein. Essaye de rester assez près de lui parce qu'il disparaît vite. Hein. Ouais. Allez, fonce. Fonce. C'est trop tard, il a disparu. Ouais. Ah, il aurait dû être beaucoup plus près que ça. Limite au corps à corps. Au pire des cas, fais comme nous. Tu prends ton arme secondaire et tu vas au corps à corps et tu défourailles. Là, en l'occurrence, moi, j'ai pris mon arme principale. Le snipe, c'est encore ce qui va le mieux pour lui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, il faut chercher un bouquin, je crois. Il faut chercher un bouquin interdit. Un truc comme ça. Mais cassez-vous! Ah ouais, tiens, ouais, c'est pas mal. J'arrive. Ouais, t'es au courant que je suis blessé, tu me files des coups de pied dans la gueule quand même. Non mais, hé, hey, ça va. Je te signale que les coups de pied c'était pour achever les autres cons. Fumier. Ah bah. Putain, je me suis fait allumer la gueule, t'es. Bon, donc on va redescendre. Ah bah non, il est là, tiens. Ramasser le livre des âmes. Voilà, c'est parti. Voilà, on redescend maintenant. Tu crois que ça allait être aussi simple? Bah si, oui. On est descendu. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes descendu? Je sais pas. Hein. Remarquera que je suis le spécialiste des explosifs. Ouais, et c'est que moi j'ai balancé une grenade pour en rien parce que vous avez buté tous les autres. Eh merde, on peut pas passer par là, ils font chier. Par contre, ouais, je vais peut-être quand même. Étant donné que j'entends encore des connos qui gueulent, c'est que la séance de bottage de cul est pas terminée. Oula! Pas faux. Ah, un bout de bras qui m'est arrivé dessus. Ah bah, je savais que t'avais faim. Qui veut un bon gros gigot? Je sais plus si c'est par là ou... Attends. Non, si, non, c'est non, ça. C'est par en bas, mais la porte d'entrée est pas ouverte, donc il doit rester des connos.
Ouais, il doit en rester quelques cons encore. Ah bah voilà. Maintenant la porte est ouverte. Tiens, reprends l'escalier. Là, reprends l'escalier là. Tu vois où je suis? Voilà. Ah, c'est parti. On va aller botter du fion. Ah, c'est vrai qu'il y a ces connards là, ouais. Courez, restez pas statique. Bon, ils en ont pas marre de se faire péter, c'est con. Ah, ouais, bah ça, c'est pas. C'est... Ils sont pas intelligents, les mecs, hein. Ils ont pas vanté l'eau chaude. Hein. Casse-toi. Les choucroutes. Être vers la fin du niveau, je crois. Oh, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Bien. On fera bien. On verra comment ça se passe, mon gars. Oh putain, il y a encore les pétomanes. Sur le coup, j'ai eu peur. Je me demande s'il va plus faire. Ah. Ah, ils sont plus là, les trouducs. Non, il y a encore les pétomanes. Bah qu'il se fasse péter, c'est con. Aïe ! Sniper ! Ouais, je sais, je l'ai raté. Hop, j'en ai eu un. Normalement, t'en as un deuxième. Et moi, j'ai eu l'autre. Ah non, il y en a un troisième. Attends, j'essaie de l'avoir, celui-là. Ah, oh, j'essaie de l'avoir. Oh, oh. Ouais. Je l'ai eu, ou tu l'as eu, je sais pas. Bon, en fait, il y en avait qu'est-ce plus que je le pensais, en fait. Mais combien, 3, 4 de quoi? De sniper. Bon. L'élite. Ouais, ça c'est pour encore le plus chiant ça. Marco, va au corps à corps, on te couvre avec le snipe. Ah putain. Marco, t'es où? Mais cassez-vous
Non, mais il faut que tu sois plus près, hein. Ben voilà, il a disparu. Mais c'est pas grave, il y en a un autre. Il faut que tu sois beaucoup plus près, hein, regarde. Comme ça. Oui, enfin, pas trop. Bon, je t'aide, je le shoot. Un zombie qui a éclaté. Vas-y, fouille-le. Putain. Non, il peut pas quand il est à terre. Il y en a un troisième qui arrive. Eh merde, et du coup, c'est moi qui l'ai même fouillé, tu vois. Oh, putain. Il y en a un troisième. Bon, du coup, je vous ai réanimé. Hop. Reste pas loin. Putain. Ah, il est chiant, hein. Puis alors, c'est qu'il bouge tout le temps en plus, alors. Rapproche-toi de lui. Il est presque mort, hein. Ah bah d'accord. T'aurais eu le temps de... J'allais le réanimer, moi. Non, oh, mais si Marco veut pas le faire. Voilà. Je crois que c'est Alex qui voulait récupérer la mitrailleuse. Non, mais c'est non, pas pour récupérer la mitrailleuse, c'est le fait de fouiller le corps de du soldat d'élite. En fait, ça te débloque un trophée de la console. Mais c'est tout, c'est pas. Ah, bah le prochain. Oui, bah oui, parce que tu t'en auras à l'appel hein, dans le jeu, donc ouais, c'est pas grave. Mais là, pour le coup, on en a vu quand même plusieurs, donc. Ouais, ça aurait valu le coup. Eh ben là finalement. Plus de... Et franchement, ouais, cette partie 39 minutes, bah ma foi, moins longue d'habitude même, j'ai envie de dire. Bon bah voilà, bah écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc ce sera le dernier chapitre de l'épisode 1, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. On s'en bat les couilles. On va revenir au. Ce qu'on fait, c'est qu'on va continuer. Donc voilà, et bah c'était Immortal 71 Camille avec Dark Dems et Ecos Templari et on vous dit à tout de suite pour la dernière vidéo de l'épisode 1. À bientôt.